dans toutes les religions, les responsables s'occupent de la gestion du culte d'abord, ce qui implique un certain nombre de règles. Et ces règles prennent une dimension sociétale lorsque ces responsables du culte sont en lien de plus en plus étroit avec des responsables politiques ou militaires, qui fait que les règles qui s'appliquent aux fidèles d'un culte donné peuvent prendre une extension et valoir pour les fidèles d'autres cultes et devenir des règles de toute la société dans un cadre étatique donné. Le rapport entre le christianisme et les lois est une question très complexe. Il est évident que dans les premiers siècles de son histoire, le christianisme n'a même pas l'idée qu'il pourrait avoir une influence législatrice. Voyez, à la fin du IIe siècle, on est vers 200 environ, il y a un texte chrétien, l'Épître à Diognète, dans lequel on dit que les chrétiens, ce sont des gens comme les autres. Ils ne se distinguent ni par le pays, ni par la langue, ni par le vêtement, ni par les usages sociaux, mais en toute chose, ils s'acquittent des devoirs de citoyens. Ce sont des gens qui, du point de vue de la loi civile, vivent comme les autres. Alors ça changera bien sûr à partir du IVe siècle, quand l'empereur Constantin cesse les persécutions contre le christianisme et devient chrétien. Et puis plus tard, quand l'empereur Théodose décide que dorénavant, la religion officielle de l'Empire romain, ce sera le christianisme, c'est-à-dire la religion du concile de Nicée, eh bien les chrétiens vont avoir des prétentions à légiférer, ou plutôt le pouvoir va revendiquer le christianisme pour légiférer au nom de Dieu. Et c'est ainsi que pendant tout le Moyen-Âge latin en particulier, un bon nombre de lois se font au nom de Dieu. Quand on pose la question des relations judaïsme et droit, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est celle des droits conférés aux Juifs en situation de minorité, que ce soit à l'intérieur de la chrétienté ou au sein de l'islam. Or cette question, si elle est fondamentale, n'est pas proprement parlée une question juive. Le judaïsme, dès l'origine, définit non pas un, mais des régimes de droit, à travers les lois noahides censées s'appliquer à l'ensemble de l'humanité, et puis les lois mosaïques, qui s'appliqueraient, elles, essentiellement aux Hébreux. On sait assez mal comment est-ce que ce régime de droit a pu être appliqué à l'époque du Second Temple, notamment sous la dynastie hasmonéenne. En revanche, on connaît beaucoup mieux le régime de droit mis en place par le judaïsme rabbinique après la chute du Second Temple. Ce régime de droit, il se définit d'abord selon deux principes. Premièrement, selon le principe en araméen de dina de Malchuta dina, c'est-à-dire la prééminence, littéralement la loi du royaume et la loi, donc la prééminence de la loi de l'État au sein duquel vivent les minorités juives. Et le deuxième principe, eh bien, c'est la mise en place d'un régime de droit extrêmement englobant donc tous les aspects de la vie juive et qui repose sur deux aspects, les commentaires de la Bible, mais surtout la rédaction de la loi orale à travers donc les deux Talmuds et les différents traités du Talmud ont des titres assez évocateurs, hein, les traités ou les ordres, ordre des femmes, ordre des semences, ordre des fêtes. Bref, ils sont censés couvrir l'ensemble de la vie juive. Alors, cela conduit à la définition de ce qu'on va appeler la halakha, littéralement en hébreu la conduite, la façon de se conduire. La définition également par Maïmonide au XIIe siècle des fameux 613 commandements de la vie juive, à la rédaction régulière de responsa rabbiniques pour actualiser ce régime de droit en fonction des nouveautés du temps, et à la rédaction de nombreux traités régissant donc la vie juive, le plus connu et celui qui a fait le plus longtemps autorité étant la table dressée, Shulhan Aruch, par Joseph Caro au XVIe siècle. Tout l'Occident chrétien médiéval voit se confronter un certain nombre de systèmes juridiques. Alors il y a le droit romain, il y a le droit germanique qu'on peut appeler le droit coutumier, et puis il va y avoir ce droit de l'Église qu'on appelle le droit régulier, ou plus techniquement le droit canon. Et ces différents droits vont donner lieu parfois à des controverses, mais en règle générale, on peut considérer que le droit canon concerne les affaires de l'Église, le droit civil, le droit pénal concerne les affaires du politique. Le problème, c'est que le départ entre le religieux et le politique est très loin d'être clair au Moyen-Âge et qu'il y a souvent des enchevêtrements entre ces différents droits. Ce régime de droit, eh bien, il est appliqué à travers des tribunaux qu'on appelle en hébreu le Beit Din, littéralement la maison du jugement, qui va régler donc les différents matières de questions matrimoniales ou de questions d'héritage, mais qui peut régler également des questions beaucoup plus difficiles, des questions donc de l'ordre de l'hérésie. Et dans ce cas-là, eh bien, un juif peut être condamné par un tribunal rabbinique à la sanction la plus grave, en hébreu donc le chérem, l'excommunication, qui équivaut à une forme de mort sociale. L'islam est une religion de droit grâce à des références qu'on peut appeler référence islamique. La relation entre la religion musulmane et la question du droit se fixe à peu près au IIe siècle de l'Hégire, à la fin du IIe siècle, au IIIe siècle de l'Hégire. À cette date-là, les autorités musulmanes qui se sont instituées sont essentiellement des savants qui sont à la fois juges et juristes ou interprètes de la tradition. Et ils ont fixé en 2 siècles le corpus coranique, ça en quelques décennies, les recueils des faits et dits attribués à Mohammed qui permettent de régler un certain nombre de cas, les règles de grammaire de la langue arabe, et ensuite 4 principales voies parmi lesquelles on peut interpréter cet ensemble de références qui renvoient ou au texte coranique ou aux faits et gestes attribués à Mohammed. Et de ce fait, ce corps d'élite de savants exerce un rôle essentiel dans la gestion collective et des populations de confession musulmane et de ceux qui ne sont pas musulmans, puisque c'est l'autorité musulmane qui exerce un pouvoir sur l'ensemble de la société. L'Occident médiéval, c'est essentiellement un Occident de chrétienté, où la chrétienté est obligatoire. Ça et là, on le sait, il y a des minorités, ne serait-ce que pour ce qui est des minorités juives qui sont établies ici et là en Occident et que, à partir du XIVe siècle, XIIIe déjà, on va expulser des différents pays, de l'Espagne, de France, d'Angleterre, etc. Alors, pour ces minorités juives, on accorde des droits exceptionnels, mais on considère que c'est toujours très embarrassant et que dans l'idéal, l'Église catholique doit être ce que le mot catholique veut dire, une Église universelle. Le statut des communautés, ou plutôt des minorités religieuses, est une question pérenne. Elle parcourt tous les siècles, pérenne parce que c'est une question très ancienne, qui commence avec les débuts de l'islam, qui prévoit un statut particulier à des minorités, c'est-à-dire à tous ceux qui ne sont pas musulmans, et qu'on appelle en général les gens du livre, c'est-à-dire qui ont un livre religieux, notamment la Bible et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, et qui confessent le Dieu unique. Ils jouissent d'un statut particulier prévu par le Coran, chapitre 9, verset 29. Ils sont tolérés au sein de l'islam. Ils ont donc de droit à l'existence, elles peuvent se développer en terre d'islam. Pour les non-musulmans, bon, depuis la création de l'islam, il a côtoyé les juifs et les chrétiens. Alors on parle de la charte de la Médine, qui est effectuée au 7e siècle par le prophète Mohammed, à l'époque où il construisait l'État islamique. Cette charte parle de côtoyer, de laisser vivre les chrétiens et les juifs dans l'État islamique, qu'on appelle en arabe Ahl Dhimma. Ils doivent payer comment on appelle, le jizya à l'État musulman, et ils pratiquent leur rite personnel. À partir du début du IIIe siècle de l'Hégire, donc au milieu du IXe siècle de l'ère chrétienne, les règles de la dhimma sont à peu près fixées et elles renvoient à un pacte dit de Ammar, même si en fait les références sont différents traités et ont évacué un autre contrat qui est le pacte de Médine entre Mohammed et les gens de Médine avant. Donc ceci a été évacué. Ces règles sont fondées sur un rapport de protection vis-à-vis de l'agression extérieure si le non-musulman sous autorité musulmane respecte ce que dit l'autorité musulmane. Et un lien de subordination, c'est-à-dire que le non-musulman n'a pas les mêmes droits que le musulman. Au XVIe siècle européen, la réforme qu'on appelle protestante, c'est-à-dire celle de Luther et qui commence, selon la date officielle, en 1517, va jouer un rôle important dans la notion de conscience et puis de liberté de conscience. Non pas que les réformateurs inventent le concept de liberté de conscience, mais ils font valoir l'importance de la conscience pour refuser d'obéir à une loi inique. Quant à la diète de Worms, en avril 1521, Luther s'oppose non seulement à l'empereur et à tout le pouvoir politique de l'Empire, mais aussi à tout le pouvoir ecclésiastique qui est aussi présent dans cette diète. Il dit, face à tout le monde, qu'il n'est jamais sûr, qu'il n'est jamais sain d'agir contre sa conscience. « Je ne peux pas faire autrement », dit Luther à l'empereur, dit Luther à l'Église. Et cette posture d'un homme qui, au nom de sa conscience, se rebelle contre les autorités politiques et ecclésiastiques, va jouer un grand rôle dans la suite de l'histoire à la fois religieuse et politique de l'Europe. Luther a cette réflexion qui consiste à dire « ma conscience me permet de refuser des préceptes de la même manière que Paul a refusé des prescriptions de la loi juive, notamment en matière alimentaire ». Donc il fait un parallèle entre son comportement et le comportement de Paul par rapport à la loi juive. Et il développe ceci en parlant de la lumière de l'évangile d'un côté, et de l'autre côté la mauvaise conscience de la loi, en l'occurrence ici de la loi chrétienne portée par Rome. La réforme qui est inaugurée par les thèses de Luther, elle provoque une division entre catholiques et protestants, qui va être une division certes confessionnelle, mais qui va poser aussi tout un tas de problèmes politiques, notamment parce que l'empereur est catholique et que l'empire catholique romain avait vocation à être uni et universel. Et qu'en divisant sur le plan confessionnel, avec les réformes de princes qui se succèdent, on ajoute aux divisions déjà existantes politiques dans l'empire entre prince, prince-électeur, ville libre d'empire, ville hanséatique, etc. On ajoute une nouvelle ligne de clivage pour laquelle il faut trouver un règlement, notamment parce qu'elle menace ce qu'on appelle la paix d'empire. La paix d'Augsbourg est le premier grand règlement politique et juridique du conflit confessionnel en Allemagne. Il se tient à la Diète d'Empire, qui est donc la réunion, l'assemblée de tous les princes, princes-électeurs et villes libres de l'Empire, donc des 300 et quelques territoires qui forment l'Empire. Et cette paix instaure de manière relativement durable, dans un premier temps, une forme de coexistence entre les deux principales confessions dans l'Empire, les luthériens d'un côté et les catholiques de l'autre. Elle va instaurer cette paix d'Augsbourg, en particulier le principe Cuius regio, eius religio, donc à chaque territoire, en fonction de chaque prince du territoire, une confession, qui implique qu'on ne choisisse pas sa confession individuellement en tant que sujet, mais c'est l'autorité politique, le prince du territoire, qui va avoir le droit de déterminer la confession de ses sujets. C'est un principe politique qui est extrêmement important au XVIe siècle ou encore en France au XVIIe siècle. Alors là, il y a un grand paradoxe. Quand les réformateurs sont dans la minorité, comme Luther encore face à l'empereur à Worms, ils plaident pour la liberté de conscience. Mais quand le pouvoir est de leur côté, ils ne sont pas prêts à accorder les moindres droits à ceux qu'ils considèrent comme des dissidents, c'est-à-dire comme des gens qui se fourvoient, comme des gens qui se trompent, et ils ne sont pas prêts à accorder la liberté de conscience. À Genève, ni Calvin ni Théodore de Bèze ne peuvent considérer de façon positive la liberté de conscience. Pour eux, qu'est-ce que ce serait? Ce serait laisser chacun croire à sa guise. Et cela, dans les mentalités du XVIe siècle, la grande majorité des gens ne peuvent pas le concevoir. Ce sont seulement quelques dissidents, comme Sébastien Castellion, qui réclament la liberté de conscience. Et pour Castellion, en 1562 en particulier, La liberté de conscience est l'argument décisif qui peut prévenir la violence religieuse. Mais personne au XVIe siècle ne va écouter Castellion, tant du côté de la réforme protestante que du côté du catholicisme romain. Entre la paix d'Augsbourg en 1555 et la paix de Westphalie en 1648, l'équilibre entre catholiques et protestants dans le Saint-Empire romain germanique est resté extrêmement précaire et les conflits ont dégénéré donc, dans la guerre de 30 ans. À l'issue donc de 30 années de conflits non seulement religieux mais aussi politiques et territoriales, on instaure une nouvelle paix, la paix de Westphalie. Cette paix, elle reprend les dispositions de la paix d'Augsbourg et elle en ajoute de nouvelles. Donc on reprend par exemple le principe qu'on a appelé le ius reformandi, le droit de réformer, c'est-à-dire la même chose hein, que le cuius regio et eius religio. Le prince a le droit de déterminer la confession de ses sujets. Mais on va ajouter un autre principe qui va être celui de l'année normative. On choisit une année complètement au hasard, l'année 1624, et on décide que la carte confessionnelle de l'Allemagne, telle qu'elle était à cette époque, doit être en quelque sorte gelée. Ce principe-là, il oblige en fait les princes à reconnaître des minorités religieuses de plein droit. Puisque si en 1624, il y avait une minorité luthérienne dans un territoire catholique avec un pasteur, le prince du territoire ne peut plus tout simplement imposer sa confession et il est obligé de leur reconnaître un certain nombre de droits. Cette paix de Westphalie, elle va inaugurer aussi les premières formes de liberté de conscience, donc sous le nom de autonomia, l'autonomie, Freistellung, qui implique de faire une distinction entre ce qu'on appelle l'exercice public de la religion et l'exercice privé. Et c'est ce que les historiens ont appelé hein, la possibilité d'une émigration intérieure, puisqu'on n'était plus contraint de se plier publiquement au dogme, enfin, ou à la confession du prince du territoire, mais qu'on avait la possibilité de cette émigration intérieure. Troisièmement, la paix de Westphalie, elle instaure aussi, enfin, elle reconduit plutôt un principe qui était déjà là dans la paix d'Augsbourg, qui est le ius emigrandi, le droit d'émigrer pour des raisons confessionnelles. Ce droit, il est reconnu uniquement pour les luthériens et les catholiques dans la paix d'Augsbourg. On ajoute les calvinistes dans la paix de Westphalie, mais ça exclut bien sûr toutes les autres religions et confessions, y compris par exemple les anabaptistes ou les juifs hein, qui sont soumis à d'autres droits. Au mois d'août 1789, quand les révolutionnaires rédigent cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils prévoient que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. C'est dire qu'on peut ne pas être catholique et être citoyen en France. Les protestants, les juifs, qui sont des minorités religieuses, applaudissent évidemment à cette nouvelle mesure, mais les catholiques sont furieux. Lors de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le magistère romain reçoit très mal cette déclaration et surtout l'idée de liberté religieuse qu'elle met noir sur blanc. Pourquoi? Parce que ça remet en question la vérité révélée, et donc le catholicisme et l'Église, et surtout l'autorité de l'Église à dire le bien, le juste. Par la suite, les protestants et les juifs en France, et plus généralement dans le monde latin, seront toujours du côté de ceux qui revendiquent la liberté religieuse. Mais il n'en va pas de même pour les protestants du monde germanique, où le protestantisme d'une certaine façon est majoritaire, qui eux mettront très longtemps avant de voir la liberté de religion comme une chose positive. Tous les catholiques ne suivent pas la position du magistère. Quelques catholiques, on pense par exemple à Lamennais, vont trouver la Déclaration des droits de l'homme et le libéralisme tout à fait bien et voudront même créer un catholicisme libéral. Le magistère romain, lui, ne changera pas sa position pendant plus d'un siècle et estimera que cette Déclaration des droits de l'homme et la liberté religieuse sont tout à fait impossibles. Au milieu du XIXe siècle, dans les États pontificaux, là où le pape règne non seulement en tant que chef spirituel, mais encore en tant que chef temporel. Pensez à la ville de Bologne, pas seulement à celle de Rome, mais aussi à la ville de Bologne, en Romagne. Eh bien, la religion catholique est obligatoire. À cet égard, une affaire significative éclate quand on apprend qu'une servante catholique avait dans une famille juive baptisé un enfant dont elle avait toute raison de croire qu'il allait mourir et, par bonheur, l'enfant n'est pas mort. Mais quand on a appris que cet enfant était baptisé, Pie IX a ordonné à ses gendarmes de venir récupérer l'enfant, c'est-à-dire, entendons-nous, de venir le kidnapper. Et cet enfant a été arraché à ses parents juifs. Il a appris du même coup qu'il avait été baptisé, ce que tout le monde ignorait. Donc vous voyez, on est encore au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire il y a moins de 2 siècles, en Europe, dans un contexte où la liberté de religion apparaît comme une chose abominable. Tout au long du 19e siècle, l'Église sera très radicale sur cette question-là. Elle refusera l'idée de liberté religieuse. Les différents papes le déclareront à diverses reprises. Une première fois en 1832, Grégoire XVI va dire que la liberté religieuse est un délire. Et ce sera redit en 1864 par Pie IX, qui lui aussi estime que la liberté religieuse est un délire. Cette position sera inchangée plus ou moins jusque dans les années 1920-1930. Les réformes dans l'Empire ottoman au XIXe siècle, celles de 1839, celles de 1856, sont liées à des événements extérieurs et intérieurs. Ces réformes et cette pression aboutissent à un progrès dans l'égalité des droits entre musulmans et non-musulmans, et ils concernent également la question de la liberté religieuse. Par exemple, le dernier condamné à mort officiel pour apostasie dans l'Empire ottoman, ça date des années 1840. Et en réaction à cette condamnation à mort, c'est un Arménien converti à l'islam qui décide de revenir au christianisme, donc sa condamnation est publique, et en réaction à cette condamnation, les ambassadeurs français et britanniques, plus une partie de l'intelligentsia musulmane ottomane de l'époque, dit « Nous ne pouvons plus continuer à appliquer cette loi de la peine de mort pour l'apostat ». Le sultan hésite et finalement il décide d'adopter 2 règles, c'est-à-dire une règle publique qui consiste à dire nous ne condamnerons plus à mort officiellement les apostats, mais la loi religieuse n'est que suspendue, c'est-à-dire elle n'est pas abolie. On part maintenant d'une catégorie de dhimmi vers une nouvelle catégorie qu'on appelle le millet et qui prévoit vraiment une reconnaissance pas seulement des chefs religieux, mais également de l'élément laïque qui peut être intégré dans des conseils. Donc chaque millet a droit à former un conseil qui gère les affaires de la communauté. Ça, c'est la grande évolution au XIXe siècle. Les autorités religieuses musulmanes sont très réticentes ou opposées fermement à cette modification-là. D'une part parce que ça les déclasse socialement, statutairement, et ensuite parce que du point de vue de leur conviction, la loi attribuée à Dieu ne peut pas être remplacée par une loi qui est faite de main d'homme. Or, par le jeu des siècles, l'idée que cette loi est attribuée directement à Dieu est fermement ancrée dans les esprits, et donc elle devient intouchable. Les réformes entreprises au sein de l'Empire ottoman s'efforcent de concilier liberté collective et liberté individuelle, régime communautaire et citoyenneté. Cela conduit donc à de profonds bouleversements, que ce soit parmi la majorité musulmane ou au sein des minorités juives et chrétiennes, puisque ces réformes en fait, promeuvent la liberté individuelle et effacent en quelque sorte les frontières traditionnelles des groupes. Et ces bouleversements, elles se traduisent dans certains parcours individuels, et parmi ces parcours que l'on peut citer figure celui de Gibran Khalil Gibran. Gibran Khalil Gibran est né à Pshali le 6 janvier 1883, dans le nord du Liban. Il a vécu une enfance très paisible, jusqu'à ce que son père a été incarcéré car il a été accusé d'avoir détourné une partie des taxes qu'il collectait. Alors, malheureusement, Gibran a dû quitter le Liban avec sa mère, ses 2 sœurs et son demi-frère pour aller s'établir à Boston, aux États-Unis. La place qu'occupe la liberté dans les écrits de Gibran Khalil Gibran est très importante. Au fait, Gibran a tout le temps cru en la liberté de la personne. Pour lui, l'homme n'existe pas s'il n'est pas libre. Et c'est lui seul qui décide de sa liberté. C'est lui seul qui peut décider d'être l'esclave de ses idéaux. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est déchaîné, plutôt il a brisé les chaînes donc, des traditions religieuses qu'il considérait obsolètes et armé de sa culture religieuse, mystique, littéraire et artistique, il a pu recréer une nouvelle vision de la religion, sa propre vision, qui est basée sur une essence, c'est l'essence de l'esprit libre. Le contenu de la religion que Gibran Khalil Gibran présente, de sa religion, notamment dans le cadre de son ouvrage « Le prophète », est basé sur trois éléments, trois concepts. L'amour, la compassion et la bienveillance. Et pour lui, il n'y a pas plusieurs religions, il y en a une seule, celle qui respecte l'esprit. Au cours des années 1920 et 1930, de plus en plus d'intellectuels et de théologiens catholiques vont réfléchir pour trouver une manière pour les catholiques de s'intégrer dans la société moderne, libérale et démocratique. Ils vont réfléchir et se rendre compte qu'une position radicale les exclut du monde moderne et les exclut aussi du droit de parler dans une société démocratique. Et donc de plus en plus, ils vont réfléchir à la meilleure manière de penser la liberté religieuse et naît l'idée que la liberté religieuse n'est pas forcément attentatoire pour la vérité révélée, pour la vérité catholique. Ils ont un très bon exemple aux États-Unis où la liberté religieuse fonctionne et où le monde catholique n'est pas particulièrement brimé et où le monde catholique a même une position parfois enviable. Dans le monde européen d'aujourd'hui, essentiellement depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, depuis les déclarations de la Conférence européenne des droits de l'homme, il paraît évident que la liberté de religion et plus largement la liberté de conscience sont des éléments indispensables à la vie sociale et à la vie politique. Non seulement des chrétiens ont participé à l'écriture de cette déclaration, à l'écriture de ce texte, mais en plus beaucoup de catholiques et beaucoup de chrétiens soutiennent cette déclaration dans les années 40 et 50. La question de la liberté religieuse va être inscrite dans l'agenda du Concile Vatican II. Jean XXIII y insistait beaucoup. Elle va donner lieu à énormément de débats et après d'énormes débats, elle va être acceptée. Les conciliaires vont inscrire, voter pour la liberté religieuse. La liberté religieuse est inscrite dans l'ordre constitutionnel des États. Elle est également garantie par des instruments internationaux, au premier rang desquels la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 9. La Convention européenne des droits de l'homme, qui a été signée en 1950 par les membres du Conseil de l'Europe et qui est entrée en vigueur en 1953, définit dans son article 9 la liberté de pensée, de conscience et de religion dans les termes suivants. L'alinéa 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Après la Seconde Guerre mondiale et l'adoption de la Charte des Nations Unies, les puissances vainqueurs se posent la question de savoir s'ils vont adopter un autre texte sur la question des droits et des libertés. Et ils décident avec hésitation de nommer des membres d'un comité de rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, qui devient la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article qui nous intéresse est l'article 18, et l'auteur principal de cet article 18 est un Libanais, Charles Malik, philosophe formé en Allemagne et aux États-Unis, qui est tout à fait conscient de la distinction qui existe entre liberté de conscience et liberté religieuse ou liberté de doctrine religieuse, selon les termes arabes qui sont utilisés. Donc il spécifie dans l'article 18 ce que signifie la liberté de conscience et notamment la possibilité de changer de religion. Cet article est mal reçu par différents États du monde arabe majoritairement musulman et également par le Pakistan. Les différentes constitutions ne prévoient pas vraiment des droits donc d'égalité avec le musulman en pays d'islam, exception le Liban. En 1926, on a fondé ce qu'on appelle la République libanaise à la base d'une nouvelle constitution, la première constitution au Proche-Orient. Voilà. Cette constitution donne également des droits aux différentes composantes de la population libanaise, notamment l'article 10 qui donne des droits à toutes les communautés, toutes confessions confondues. Alors cet article s'énonce de la façon suivante: la liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l'État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. Le régime de droit israélien est un régime particulier, parce que si l'État d'Israël se proclame dès son origine l'État juif, en revanche, la loi de l'État d'Israël n'est pas la halakha aux grandes dames des ultra-religieux. Alors les fondateurs de l'État, Ben Gurion en particulier, ont fait des concessions aux ultra-religieux sur le plan de la loi, ce qui explique par exemple qu'il n'existe pas de régime civil et que pour les citoyens juifs de l'État d'Israël, eh bien, les questions matrimoniales, le mariage, le divorce, mais également les questions d'héritage restent entre les mains des rabbins. Alors ce régime mixte continue de perdurer aujourd'hui, même si les ultra-religieux ont désormais plus de poids et se montrent de plus en plus revendicatifs et aimeraient beaucoup que l'État juif soit l'État de la halakha. Tous les États arabo-musulmans ont dans leur constitution affirmé que la religion de l'État est l'islam. C'est pour cela que on voit ces constitutions se composer de deux références, une référence islamique et un autre positif qui vient de l'Occident. Donc on a deux cultures qui se complètent et se contredisent en même temps. Ces réticences émergent à nouveau lors de la rédaction du pacte relatif aux droits civils et politiques, qui est un pacte beaucoup plus contraignant ici. Et donc ces États, plus d'autres qui les rejoignent, font supprimer la mention spécifique du droit à changer de religion dans l'article qui mentionne la liberté de conscience. Si on veut faire une lecture pour les conventions ou les chartes arabo-musulmans sur les droits de l'homme et sur la liberté de religion, on peut distinguer deux textes. Le premier c'est la charte arabe des droits de l'homme qui a été discutée par les ministres des Affaires étrangères depuis les années 60 et n'a été validée qu'en 2004. Cette charte, elle parle si je me rappelle très bien, dans son article 30, de la liberté pour un musulman de choisir sa religion, de choisir les rites. Et il va plus loin, il dit que il peut changer ou refuser une religion. Il se réfère bien sûr à l'article 18 de la Déclaration de 1948. Mais le point d'interrogation sur cette charte, c'est quand on lit le préambule de cette charte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il se réfère à la Déclaration des droits de l'homme en islam, qui a été publiée en 1990. On l'appelle la Déclaration du Caire. Elle a été publiée par les États, l'Organisation des États musulmans. Cette déclaration du Caire de 1990, il dit que la seule référence pour les États islamiques en droit de l'homme, c'est l'islam. Et toutes les articles qui sont dans cette déclaration doivent se référer à la charia et à l'islam. Donc il y a une sorte de contradiction. Si on compare le droit musulman, la charia, avec ce qui a été écrit dans les conventions internationales des droits de l'homme, on trouve une certaine contradiction. Parce que lors de la discussion de la déclaration de 1948 ou le pacte de 1966, il y avait des remarques et des refus de certains États arabes. Ils disent que changer la religion pour un musulman, c'est un délit qu'on doit punir. Dans les années 60 et 70 du XXe siècle, un certain nombre d'États ont inclus dans leurs textes constitutionnels, par le biais de réformes, la mention de la charia, ou renforcé cette mention. Par exemple, l'Égypte disait que la charia en 71 était une référence du droit, et ça devient la référence principale du droit en 1980. La question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on entend derrière ça. Pour une partie des législateurs et pour la plupart des hommes de religion musulmane, il s'agit de dire nous allons appliquer les hudud, c'est-à-dire un certain nombre de hudud signifie limite, mais ici ce sont des préceptes impératifs qui concernent notamment la peine de mort pour l'apostat, ce que l'on retrouve dans le code pénal unifié des États de la Ligue arabe en 1996. Le Coran parle d'apostasie, mais elle n'a aucune note dit comment on doit se comporter vis-à-vis d'un apostasie. Mais il y a aussi un hadith de Mohammed récolté par Al-Bukhari, qui dit un musulman qui change de religion, il faut le tuer. Tous les États n'incluent pas de manière explicite dans leurs codes pénaux cette peine de mort de l'apostat. C'est même une minorité simplement d'États du monde arabe, majoritairement musulmans, qui inclut cette peine de mort. Mais il y a des biais pour contourner cette absence, et ces biais, c'est par exemple la pénalisation du blasphème, ou la pénalisation de l'insulte aux religions, ou la pénalisation de troubles à l'ordre public. Par exemple, au Maroc, le fait de rompre le jeûne publiquement pendant le ramadan, alors que l'on est considéré comme musulman, est considéré comme justement un trouble à l'ordre public et une manifestation d'apostasie. Au fond, un musulman peut être un apostat tant qu'il ne l'exprime pas, tant qu'il ne le montre pas. Quand un musulman décide qu'il n'est plus musulman lui-même, il peut le faire en secret et il n'est pas passible d'une quelconque peine que ce soit, puisque officiellement personne ne le sait. À partir du moment où il, par ses gestes ou par sa parole, en mettant sur sa page Facebook qu'il est athée, ou en transportant une Bible, ou en parlant de Jésus à la manière des chrétiens à d'autres musulmans, et il est considéré comme étant quelqu'un qui rompt cet ordre-là, on peut l'accuser de prosélytisme, et c'est cette accusation-là qui sert à le faire condamner. Par exemple, l'Algérie, en 2006, a voté une loi en ce sens, qui ne pénalise pas directement l'apostat, mais qui pénalise toute possibilité de valoriser une religion autre que l'islam. Si la question du prosélytisme se pose de manière particulièrement crue dans les États majoritairement musulmans, elle n'est pas sans poser problème non plus en Europe, où elle se trouve prise au sein donc, de ces fameux conflits normatifs qui essayent de définir les limites des différentes libertés. Le prosélytisme qu'on peut définir de manière très large comme la volonté de promouvoir une conviction vers le but final d'obtenir une conversion et n'est pas protégée directement dans la Convention européenne des droits de l'homme, mais la Cour européenne la déduit du droit, à la fois du droit de manifester sa religion et du droit de changer de religion ou de conviction. Donc le prosélytisme est vu à la fois comme une manifestation et comme une réalisation du droit de changer de religion. Pour que ce droit soit réel, il faut avoir une information sur les autres religions. Il y a relativement peu de jugements de la Cour européenne des droits de l'homme qui touchent directement la question d'activités supposément prosélytes, et les jugements qui concerne ce thème directement concerne la Grèce, qui, de par sa constitution, interdit le prosélytisme. La Cour déduit du droit de manifester sa religion et du droit d'en changer un droit au prosélytisme, ce qui est un premier pas. Et le deuxième pas, c'est qu'elle ajoute tout de suite quelles sont les limites de ce droit au prosélytisme. Et c'est là que la difficulté arrive, parce que la Cour se rallie à la position du gouvernement grec qui distingue un bon et un mauvais prosélytisme. Et la Cour adopte finalement cette distinction qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre en disant que l'article 9 protège le prosélytisme de bonne à loi, mais qu'elle ne protège pas le prosélytisme de mauvaise à loi, qui serait un prosélytisme notamment dans l'idée d'obtenir un avantage financier ou un avantage social, ou qui serait effectué avec des pressions abusives ou qui utiliserait le dénuement qui utiliserait un type de moyen que la Cour considère non légitime. Alors bien sûr, de baser les jugements sur ce type-là de distinctions, qui sont des distinctions extrêmement sensibles à utiliser, ouvre un certain nombre de questions, et notamment la question de comment est-ce que des juges d'une cour vont décider ce qui est un bon prosélytisme et un mauvais, où est la limite entre un bon et un mauvais prosélytisme. Aujourd'hui, les limitations de la liberté religieuse proviennent essentiellement de sa confrontation avec d'autres libertés fondamentales. Je vais donner deux exemples de cette confrontation de la liberté religieuse avec d'autres normes. Il s'agit des dossiers de l'abattage des rituels et de celui de la circoncision. Dans le dossier de l'abattage dit rituel, qui est donc l'abattage d'un animal sans étourdissement préalable pour répondre aux prescrits du judaïsme ou de l'islam, dans ce dossier, nous voyons que les normes relatives au bien-être animal ont tendance à prendre le pas sur la liberté de culte. Et donc, certains États européens ont déjà interdit ou songent à interdire l'abattage rituel au nom du bien-être animal. On observe également une autre confrontation de normes dans le dossier de la circoncision. C'est au nom des droits de l'enfant, du droit de l'enfant à sa liberté de conscience, mais également à l'intégrité physique de son corps. C'est au nom de ces droits de l'enfant que des groupes songent à interdire, voire à restreindre, la pratique de la circoncision en l'absence de raisons médicales. Actuellement, il n'y a pas encore d'interdiction de la circoncision pour raison non médicale en Europe. Il y a simplement des abandons de remboursement par la sécurité sociale. Mais on peut imaginer que dans les années à venir, le débat autour de la circoncision prenne de la vigueur, que les groupes qui défendent les droits de l'enfant et davantage d'audience, et donc on peut s'attendre à ce que ce débat débouche sur des restrictions de la liberté religieuse en matière de circoncision. Actuellement, à l'été 2018, une telle proposition est par exemple en discussion au Danemark. Alors la question de l'interdiction de l'abattage rituel a suscité beaucoup d'émotions au sein des communautés musulmanes. Ces communautés musulmanes sont numériquement importantes en Europe, et les priver d'un accès facile et immédiat à de la viande halal a évidemment un impact assez important. Tandis qu'en ce qui concerne la cacheroute, les communautés juives qui sont en nombre plus réduit peuvent beaucoup plus facilement se procurer de la viande à l'étranger. Il n'y a pas un secteur économiquement fort pour la viande cachère, comme il y en a un pour la viande halal. Vous avez énormément de boucheries halal dans les villes européennes. Vous avez beaucoup moins de boucheries cachères. En fait, la plupart ont disparu et les communautés juives se fournissent essentiellement en viande surgelée qui provient de l'étranger. Dans le dossier de la circoncision, en revanche, on voit une mobilisation extrêmement forte des communautés juives, sans doute parce que, contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'interdiction de l'abattage rituel, il n'y a pas d'alternative. Le judaïsme prescrit la circoncision du nouveau-né au 8e jour de vie, c'est la Brit Mila, c'est un rite important du judaïsme, et une interdiction aurait des répercussions très importantes sur la vie religieuse des communautés juives. La viande, on peut toujours soit s'en passer, soit de s'en procurer ailleurs. La circoncision ne revêt pas la même importance pour les communautés musulmanes parce qu'elle n'est pas pratiquée de façon systématique peu après la naissance du nouveau-né. Elle doit se pratiquer avant la puberté, mais donc il y a toute une période dans laquelle l'acte peut intervenir. On peut aussi penser que les familles musulmanes vont pouvoir profiter d'un séjour à l'étranger, voire dans un pays d'origine des parents, pour pratiquer la circoncision. Donc la circoncision mobilise moins les communautés musulmanes que les communautés juives en Europe. Aujourd'hui, les religions revendiquent même cette liberté de conscience qu'elles avaient parfois combattue dans le passé, en allant même jusqu'à récupérer cette idée et laisser croire que c'est à elles qu'on la doit toujours. Voyez, il y a un siècle, un historien du protestantisme, Doumergue, disait quasiment que c'était Calvin qui avait rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On trouve récemment tel professeur de théologie catholique en France qui disait que le discours de l'Église a toujours été un discours favorable aux droits de l'homme. Quelle méprise! On trouve tel grand rabbin qui nous dit que la Genèse, après tout, a toujours enseigné les droits de l'homme et que ça n'est pas étonnant qu'on les retrouve aujourd'hui puisque c'est déjà dans la Bible. Ou bien tel responsable musulman qui déclare qu'il y a 14 siècles, l'islam a donné à l'humanité la charte idéale des droits de l'homme. Ces différentes tentatives mettent toujours les historiennes et les historiens mal à l'aise, parce que nous ne pouvons pas tolérer cette récupération d'une idéologie au nom du religieux. Et ce qui fait l'intérêt, la passion de l'histoire, c'est précisément de chercher à comprendre les évolutions parfois très complexes des idées sans s'accorder la facilité de la récupération.